Et viendra ensuite le moment que je déteste le plus, où tous les choux se prendront par la main et comme des fous se mettront à chanter et les cloches se mettront à sonner. La nuit tombait, plus le secret j'y pensais, plus la rage me recevait. Il faut que j'empêche Noël d'arriver. Mais comment? Monsieur Grinch regarda son chien Max et celui-ci tout en disant, mais voilà une bonne idée. Pas qu'il me faut un beau manteau riche et un chapeau. Ho ho ho! Elle s'est déguisée, il ne me reconnaîtra pas. Hi hi hi! Bientôt, il a...
arriva devant la première maison de Chouville et se hissa sur le toit pour glisser dans la cheminée. Avec son sourire le plus effrayant, il commença à prendre tous les cadeaux du plus petit au plus gros. Il enleva tous les bas de Noël à la cheminée et même tous les bonbons qu'il y avait à manger. Pendant que M. Grimm essaie de sortir le sapin par la cheminée, la petite Cindy Lou se réveilla. Pourquoi prenez-vous notre malheur de Noël, Père Noël? Pourquoi? M. Grimm hésita bien un moment, mais au mensonge, il était habitué depuis longtemps. Eh bien, ma douce petite carabine, il y a une lumière qui veut absolument pas s'allumer. Je apporte donc chez moi pour la réparer. Une fois que ça sera fait, je m'apporterai ton bonheur. Il lui donne une petite caresse lorsqu'il a deux petites. Il est allé dans son lit, il reprit l'arbre et le mit dans la cheminée et c'est par là qu'il est reparti. Partout dans le village, il fit la même chose en n'oubliant rien sur son passage. Thank you.